Alors bonjour, je m'appelle Maxence Gudy et aujourd'hui je vous propose un jeu un peu différent. On va pas être dans une véritable activité physique, mais dans un jeu un peu plus ludique. C'est une sorte d'escape game. Et pour cela, il va falloir une petite préparation que je vous montre tout de suite. Je peux couper? Donc, avant de passer à l'activité, on peut faire un petit travail manuel ensemble en famille. Donc là, j'ai pris deux feuilles blanches avec ma trousse d'école juste ici, et j'ai pris trois objets, n'importe lesquels, que je trouvais dans ma chambre à moi. Donc les trois objets sont là, et dans la salle de bain. Hop, les trois objets ici. Donc là, j'ai fait deux feuilles avec, pour dans chaque pièce, trois objets différents à trouver. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire comme moi, faire des petits dessins ensemble. Donc voilà, donc vous pouvez passer une dizaine de minutes à chaque fois pour faire ce petit travail, pour ensuite passer à l'activité. Bien sûr, après, il est possible de retourner de la feuille, hop, et de mettre de nouveaux objets. Donc comme vous l'avez vu, après avoir fait mes petits dessins et mes petites feuilles, j'ai plus qu'à accrocher la feuille, bien sûr, qui correspond à la pièce derrière, qui est la salle de bain, avec de la pâte à fixe ou du scotch, à cacher mes trois objets à l'intérieur. Et je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais là j'ai rajouté un temps. J'ai rajouté 2 minutes. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave, je vous le dis. 2 minutes. C'est-à-dire que maintenant l'enfant a 2 minutes top chrono pour trouver les trois objets que j'ai cachés à l'intérieur de ma salle de bain. Maintenant, on fait pareil pour la chambre de garçon. Hop, je recolle ma feuille. Là, j'ai mis 3 minutes. Bon, là, vous pouvez changer le temps, vous faites comme vous voulez. Petite particularité dans cette pièce, dans ma chambre, c'est que j'ai pas mis de lumière. Il fait noir en fait. J'ai pas mis l'éclairage. Donc j'utilise ma lampe torche et je pars à la recherche de mes 3 objets en 3 minutes. Vous pouvez faire ça pour toutes les pièces de la maison, la cuisine, toutes les pièces un peu closes. J'espère que cette activité vous a permis de passer un peu le temps et bien sûr qu'elle vous a amusé. Je rappelle qu'on range toujours le matériel après utilisation, très important. Vous pouvez rajouter de la musique hein, pour que ça donne un peu plus de motivation. Et portez-vous bien et à bientôt.